Derniers hommages au pharmacien Batango Pessa alias Manadiar Manalaria. Le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI dément les informations propagées dans les réseaux sociaux sur la non-assistance du gouvernement aux obsèques de l'inventeur de ManaCovid. Le pharmacien Dadi Batango Pessa, assistant de recherche au CRPL, parle de fausses informations propagées par des personnes sans qualité et mal intentionnées. On l'écoute. Nous remercions de vive voix tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés lors de la dure épreuve que nous venons de passer. Les frères, amis et connaissances en général, et même les officiers de notre pays en particulier. Et nous citons la présidence de la République, les membres du gouvernement, notamment le ministre de la Recherche, le ministre chargé des relations avec le Parlement, les députés et sénateurs, et le gouverneur du Congo central. Profitons de l'occasion pour démentir de la manière la plus formelle les allégations qui circulent dans les réseaux sociaux selon lesquelles les officiels n'auraient pas assisté aux obsèques de notre regretté père Étienne Flaubert Batango Mpessa. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de tous sur le fait que tout ce qui circule dans les réseaux sociaux n'est pas nécessairement l'émanation du centre de recherche pharmaceutique de l'OSI et n'engage que leur auteur. C'était le pharmacien Dadi Batango Mpessa, assistant de recherche au centre de recherche pharmaceutique de l'OSI. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de votre présence aux obsèques du pharmacien Batango Mpessa? Bon, à mon arrivée au ministère de la Science scientifique, j'ai connu le pharmacien, l'honorable Batango, d'abord comme chercheur. Mais ce que je dois retenir le plus important, c'est sa contribution positive au pôle scientifique à la pandémie de la COVID-19. Il a été d'un apport important. Il a même mis en place un protocole important qui a été utilisé par beaucoup de Congolais et qui a donné des résultats avérés. Alors que nous étions en train de chercher à mettre en place des possibilités pour que le protocole soit dans les standards internationaux, il vient de partir. Mais il n'est pas mort. Il a laissé avec nous un protocole que le gouvernement est censé porter pour arriver à atterrir. Nous pensons que le pharmacien Batango, l'honorable, n'est pas mort, mais il est vivant puisqu'il a laissé derrière lui beaucoup d'initiatives pharmaceutiques. Ce n'est pas seulement les ManaCovid, mais c'est également malarine, beaucoup d'autres choses que mon ministère a y apporté. Voilà ce qui fait que je ne pouvais pas accepter qu'il soit enterré sans que je ne vienne officiellement présenter les derniers revoirs à lui. Il n'est pas mort, il est resté dans les archives du ministère de la recherche scientifique et du gouvernement. Donc nous allons nous battre pour qu'il ne puisse pas disparaître sur les chaînes des chercheurs congolais. Voilà. Bonjour. Honorer un digne fils de la République démocratique du Congo à la personne de Flaubert Batango Mpessa. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de votre présence? Ça va, notre présence n'est qu'un signe de fraternité. C'est pour témoigner notre compassion à toute la famille Batango et pour dire que le Congo central a perdu un digne fils par ricochet la République démocratique du Congo. Nous avons tenu à marquer notre présence au cours de ces obsèques parce que nous l'avons connu personnellement. Nous avons eu des moments d'échange. On a partagé, surtout dans le cadre de l'Université Congo en Banzangongo. C'est un Mbuta qui méritait notre présence ici à ces obsèques. Bon, je crois que c'est même un devoir pour nous, les Bakongo, de venir nous incliner devant ce vaillant Mukongo qui est parti trop tôt d'ailleurs, pour tout ce qu'il a fait et pour la science en général. Bon, en dehors de l'homme de science qu'il était, il fut un grand homme de culture, qui est vraiment le promoteur de la culture Congo. Il m'a succédé au pouvoir organisateur de l'Université Congo et son mandat était marqué par la présence de Kikongo, même dans les textes officiels de l'Université Congo. Et le jour des inaugurations et de la clôture de l'année, il prononçait un discours dans notre langue maternelle. Et c'était un début de l'introduction de Kikongo dans la science et la recherche. Donc il a fait beaucoup de choses, il a écrit beaucoup, j'ai chez moi des multitudes de bouquins à Kikongo pour essayer un peu
de rendre notre langue vivante et adaptée au progrès du siècle présent. Et j'ai aussi une relation particulière, c'est parce que c'est mon voisin du quartier. Et on se connaît depuis longtemps, depuis l'université et sa profession. On a toujours été si proches. C'est une grande perte pour la nation en général. Et nous, les Bakongo en particulier, d'avoir ces modèles, ces combattants qui voulaient toujours que quiconque puisse avoir sa place dans les concerts de nation. Et nous le regrettons. Tout ce que nous demandons, c'est que nous puissions continuer son œuvre pour aller au-delà de ce que lui n'a pas pu faire. Alors, il a installé son laboratoire de recherche à Louosi. Ça, c'est vraiment un modèle. Et toutes les recherches, tout, donc, ça se trouve à Louosi, chez nous, au Congo central. Donc, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup d'œuvres, qui a agi pour le progrès, pour revaloriser notre province et notre culture. Bonjour, monsieur le pharmacien. Bonjour, c'est professeur Mbelolo. Professeur Joseph Mbelolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu rendre le dernier hommage au pharmacien Batangu Mpesa. Oui. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Bien. D'abord, Batangu Mpesa était parmi le comité des sages de la solidarité pour le développement du Manianga, SODEMA en sigle, dont je suis secrétaire général. J'ai connu Batangu Mpesa quand il était encore élève à Kimpesa. Il fut un de mes élèves très brillants. Donc nous nous sommes liés depuis ce temps-là. Et après nos études respectivement, lui au Canada et moi en Europe, nous nous sommes retrouvés ici. J'ai participé régulièrement aux conférences organisées au Centre de recherche pharmaceutique de Louosi. Et nous avons fait souvent des voyages ensemble. Et nous nous sommes retrouvés au Palais du Peuple à la Conférence nationale souveraine. Nous avons créé le groupe parlementaire Congo dont il était président. Donc nous avons collaboré pendant longtemps. Je pense que c'est un des jeunes que j'ai adopté comme frère et finalement comme ami. C'est une grande perte pour moi. Heureusement qu'il nous laisse un héritage tout à fait exceptionnel, digne de son rang. Le Manadiar a fait son chemin, Vobilar, Manakovid qui vient de s'ajouter à cette liste-là. Donc pour nous, le peuple Manyang, le peuple Congo et le peuple congolais en général, nous sommes très heureux de sa participation. C'est pourquoi nous souffrons beaucoup de son départ. Mais heureusement que nous ne l'oublierons jamais à cause de tout ce qu'il a fait. Merci. Écoutez, qu'est-ce que l'opinion peut retenir? L'opinion peut retenir, nous avons perdu vraiment un grand savant pour notre pays. Vous savez que ce n'est pas facile de gérer ces moments ici. Comme vous le savez, le pharmacien Étienne Flaubert Batangu est un grand savant qui a mis au point beaucoup de produits et qui sont en train de soigner les gens, notamment le manadiar, le manalaria. Et surtout avant sa mort, il a mis au point un produit que vous connaissez, Manacovid, contre la COVID-19. Et comme vous voyez, la situation est vraiment dramatique de perdre un tel monsieur. Nous sommes là, je sais que l'œuvre qu'il a laissée va continuer parce que il avait formé les gens, notamment son fils qui est pharmacien comme lui. Il a aussi une fille qui est médecin. Nous croyons fermement qu'ils vont continuer cette œuvre. Voilà ce que je peux dire.